guys, welcome back to ma chaîne. Pourquoi bienvenue sur ma chaîne. So, la vidéo d'aujourd'hui sera une dégustation américaine. Ici devant moi, j'ai quelques snacks américains que je suis partie chercher avec ma cousine qui vient de la France. Vous allez la voir tout à l'heure. Donc, elle va essayer de me dire ce qu'elle pense et à quoi ça la fait penser. Genre, comparer ses friandises et les friandises que vous avez, que les Français ont en fait. Donc, avant de commencer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. C'est juste là en bas. Et aussi, activer votre cloche de notification pour que vous puissiez être toujours au courant et avoir une alerte dès que je poste une vidéo. Me suivez dans mes réseaux sociaux. C'est Instagram, Twitter et Snapchat. Ça sera ici, sur l'écran. Et aussi dans la barre d'infos en bas. Et si vous êtes déjà abonné sur ma chaîne, merci. Et vous êtes encore là. Bienvenue. You guys are real. You guys are the real one. OK? Donc, on peut commencer. Donc voici ma cousine. Bonjour. Ok. Donc ici on a les friandises américaines que tu as choisies en boutique et que tu as dit qu'on n'avait pas en France. Donc tu vas les essayer et puis on va voir ta réaction. Moi, je connais déjà la plupart, donc. Ok, donc je vais commencer par ça. Donc, c'est les no. Non, and later. Ah. Genre maintenant et après. Ah, ok. Bon, bah, c'est ça. C'est des chewing-gums. Non, ce sont des bonbons, mais qu'on mâche. Ok, donc c'est les bonbons qu'on mâche. Je vais goûter, parce que je connais pas, en fait. Je ne sais pas c'est quoi. Donc, je vais goûter ça. Parle un peu plus fort sinon la caméra, le micro n'a pas encore. Ok. Donc, c'est dans des emballages enfin par exemple la couleur jaune c'est la banane. Il y a cherry donc la cerise. Mm-hmm. Et il y a la fraise. Je sais pas c'est quoi la différence. C'est pas la différence mais. Attendez. Essayez ta saveur préférée. Bref. Ouais. En tout cas, voilà, ça est vous-même. D'ailleurs, je vais goûter la banane parce que j'aime bien la banane. J'ai hâte de voir sa réaction pour cet truc. Tu sais, c'est pas bon. Non. Ça se trouve, j'aime bien. Ça se trouve, j'aime bien. On verra. Oh. Ah, votre emballage est trop compliqué à ouvrir. Les critiques ont commencé. Ouais, déjà, primo, l'emballage, voilà, il est très mauvais. Très compliqué à enlever. Ça colle. Bref, je vais faire vite. Hein. Il n'est pas mon temps, je pense. Et vas-y, ça m'énerve. Je vais m'assurer de ne pas fast forward la vidéo dont. Elle va parler rapidement pour que vous voyez comment elle struggle. Genre, elle le sait vraiment. Mais c'est difficile. Ça va. Ça va. Mmh. Vas-y. La banane. Non, mais il y a le papier là. Moi, je n'ai pas le papier. Le papier. Hein. Oh, il y a le papier aussi. Ouais, bref. Bon. Banane, c'est bon. Mmh. Mais sans plus simple. C'est pas un truc de ouf. Enfin voilà, j'ai déjà mangé mieux comme bonbon. Mmh. Donc bref, là j'ai goûté. Les critiques continuent. C'est bon, hein. Je dis pas que c'est mauvais, c'est bon, mais juste voilà. J'ai déjà mangé mieux. Mmh. Ça c'est le goût pomme. On va goûter ça. Par contre, l'emballage est vite quitté. Mais là, pour lui, c'est bien. Ça rattrape. Pardon. Là, ça va, c'est bon. Là, c'est mieux que la banane. C'est mieux que la banane, n'est-ce pas? Ouais, c'est mieux que la banane. La banane, c'est bizarre. Je sens que tu vas tous les aimer, donc on peut passer au prochain. Ouais. Donc. Bref. Ça, je vous recommande pas, hein. Mais
C'est bon quand même. Voilà. Ok, maintenant on va essayer ça. C'est elle qui va prononcer le nom en fait. C'est les crunch. Mm-hmm. Voilà. Je sais pas s'il y a en France, hein, mais bref. Je connais pas donc. C'est du chocolat, hein. Pour les gens qui savent pas, c'est du chocolat. Par contre, eux, c'est grave des mythos. Genre, l'emballage, j'ai déjà commencé. On voit, le truc, il est bien gros. Mais ouais, je regardais, c'est quoi? On dirait des crottes. Bref. Mais c'est vrai, c'est l'emballage, c'est un peu genre. Ouais, ouais. Dans l'emballage, le chocolat, il est bien big. Moi, je m'imaginais que ce soit plus grand que ça. Parce que ça, excusez-moi, mais c'est pas du chocolat. Hein. Ils ont fait ça à la va-vite, ça se voit. Bref, je goûte. Allez. C'est bon. Non, mais il faut goûter deux fois parce que là, c'est trop petit. Ouais, c'est bon. Ouais. Je savais que tu allais aimer, ouais. Ah, c'est bon. Donc. Juste par contre, vous fiez pas à l'emballage. Hein. C'est bien. Mais c'est beaucoup, il y a beaucoup dedans. Oui, bah c'est bien, mais quand même. C'est une grande portion, mais ça vient juste tout petit. Donc, tout petit. Tu recommandes? Oui, ça je recommande, les crunchs, ouais, c'est bon. Donc, on a gagné. Tching. Vous avez un plan. Ok, que, sinon, vas-y. Voilà. Ici, on a ça. Qui va prononcer, c'est les cheese balls. Mm-hmm. Okay. Genre des boules de fromage. Le fromage. Quand je dis ça, je vois trop ça dans les films, dans les fêtes. Ouais, dans les fêtes. Je vois toujours ça. Mm-hmm. Ça sent pas très bon. Ouais. Je vais goûter ça. Très croquant, donc c'est bien déjà. Ça c'est grave bon. C'est bon, grave bon. Ouais. En plus je kiffe le fromage. Mais tu sais que l'odeur. L'odeur c'est dégueulasse. Enfin, en fait ça sent le fromage. Ça sent le fromage, ouais. Ça sent le fromage, mais le goût on sent pas le. Enfin on sent pas. Enfin, je sais pas comment. Oui, on sent pas sur le. Voilà. Le bol, mais ça sent le fromage quand tu ouvres le sac. Ce qui est normal parce que ce sont des boules de fromage. Donc. Ça. Vas-y. Ça, je recommande aussi. Je recommande aussi. Deux points pour les États-Unis. On va mettre ça là. Et puis, tu vas essayer ça. Ça, c'est des butters, je sais pas quoi. Butter finger. Finger. Mm-hmm. Déjà, je comprends pas pourquoi il écrit finger. Vas-y, essaye. Finger, c'est pas dire. Doigt. Doigt. Ouais. C'est pas des doigts. Je crois que c'est parce que ça, on prend juste comme ça, genre. Et c'est au beurre. Donc, on va goûter ça. Parce que et ça aussi, les. Je crois, peanuts, genre les arachides un peu dessus. Ouais. Et peanuts, les arachides. Vas-y. Les arachides. Mm-hmm. Okay. Et le chocolat est comme ça. Déjà, c'est collé. C'est comme si c'est en train de. Genre, j'ai préparé tout ça et puis on est en train de juger. Garde, c'est pourquoi ça s'appelle Better Finger, vous voyez. Et ça laisse aussi tes doigts avec un peu de chocolat et consort. Mmh. Mmh. Ouais. Mmh. Il est dégueulasse. Ça, c'est un mouchoir. Je peux pas bon. Je n'ai pas de mouchoir. Bah, vas-y, crache là. J'ai peur, j'ai peur. Ah, on va déjà arriver au bout. Attends. Donc, on n'a pas le droit. Vas-y, va. Elle m'a dit, oh, j'ai bien choisi, je vais tout aimer. Ah, je te dis. Excusez-moi. Donc, tu dis quoi? C'est dégueulasse. En fait, c'est pas dégueulasse, mais j'aime pas. On sent le caramel. Mm-hmm. Le chocolat. Ouais. Il y a de l'arachide, mm-hmm. Il y a du lait, et c'est trop bizarre. En plus, à un moment, c'est sucré, à un moment, c'est salé, moi, j'aime pas. C'est salé, sucré, j'aime pas. Moi,
attendez. Sucré salé, j'aime pas. Quelqu'un qui vit ici, attendez, vous dit. Moi, j'aime pas. Ça va? Moi, j'aime pas. Donc, tu le commandes? Non. Non, je ne recommande pas. Pour ceux qui aiment salé sucré, moi, j'aime salé sucré, ouais. Ok. Mais moi, salé sucré, j'aime pas. J'aime bien salé ou sucré côté, mais pas comme ça. Parce que là, c'est trop bizarre. Donc, elle recommande à quelqu'un qui aime les salés sucrés. Salé sucré, mais quelqu'un qui aime pas, mangez pas. Parce qu'il y a. C'est... Ça se voit, c'est gras. Mmh. Ça se voit, ouais. C'est bien gras. Parce qu'il y a bien de l'arachide dedans. Bon, il y a beaucoup d'arachide. Sauf so, ça, si tu n'aimes pas les arachides, même si tu es allergique. Touche même pas. Bref, il y a. Ceci, c'était aussi la première fois que je voyais ça en boutique. Les Oreos. Les Oreos. En mode, en France, vous-même, vous savez, ça existe les tablettes de chocolat, les biscuits. Bref. Ça, j'ai jamais vu un rayon, hein, sinon j'aurais pris. Si ça existe en France, en rayon, en barre chocolatée, vous mettez dans les commentaires si vous avez vu, comme ça, vous nous dites. Ouais, parce que. Voilà. Comme c'est la première fois que je voyais ça en boutique. Ouais. Surtout on a pris ça à CVS, genre une pharmacie boutique. Ici aux États-Unis, donc je vais essayer avec elle. On va voir si moi mais ce truc là, ça gâte ton goût dans la bouche. Genre maintenant, c'est comme si j'ai mangé trop d'arachide. Enfin bref, ok. On coupe. Déjà, j'aime bien comment ça c'est coupé. Je vois les Oreos dedans, ça m'a l'air tellement bon. Attends. Ouais, c'est là. C'est bon. J'arrive pas à sentir le goût à cause de ça. Vas-y, j'essaie encore. Moi, ça va. C'est vraiment crémeux. Déjà, c'est bien parce que c'est croquant. Enfin, j'aime bien à l'intérieur, ça fait croc. C'est bon. C'est très bon. C'est grave bon. Je recommande. De toute façon, Oreo, c'est... toujours bon. Bref, ça c'est une réussite. Voilà, 3 points pour les États-Unis. Elle est bien contente parce qu'on allait gagner. Oh non, presque pas si vite. Si ça, j'aime pas. Then c'est 3-3. Bref, ça c'est des cinnamon honey bun, actually. Parce qu'il y a on a des trucs comme ça. On appelle d'autres personnes appellent ça cinnamon, d'autres appellent ça honey bun. Mais sur le box, ça dit honey bun. Mais tu peux aussi appeler ça les cinnamon parce que c'est presque la même chose. Donc c'est ça. Regarde, elle mange les boules de fromage là. C'est grave bon, c'est grave bon. C'est bon, elle voulait prendre un truc tellement bizarre là, j'ai dit. Et si vous aimez, on va faire une partie de. Si vous aimez ça, parce que je vais essayer de poster cette vidéo avant son départ sur Paris. Donc si vous aimez, on fait une partie de. Ouais. Vas-y, c'est à toi. Oh. Ça vient en sachet. On dirait des beignets. Ouais, c'est ça. Genre guetté. Mais c'est beignet. On dirait des beignets, vous voyez pas. On dirait... Et puis il y a du sucre autour. Ouais, un beignet avec du sucre autour. Ouais. Du miel. Et... C'est bon. Pour moi, c'est bon. T'es bref. Sûr. Hein. Enfin, j'ai goûté. Ce truc m'amuse tellement parce que. Vas-y, c'est bon. C'est grave bon. C'est grave bon, ouais. En fait, c'est comme les beignets. En fait, ça a la texture du beignet. Mais après, ça, c'est juste que. En vrai, moi, pour moi, ça sert à rien. C'est grave de l'imitation des beignets. Juste que ça a une autre forme. Donc en vrai, c'est fait pour rien un peu. Genre. Pourquoi faire un autre truc, genre en mode c'est avec du rond et tout. Je dis pas que c'est mauvais, c'est très bon. Hein. Mais juste que ça sert à quoi? C'est comme des beignets. Mais tu recommandes ou pas? Oui, je recommande. Mais voilà. 4 points pour les États-Unis. Enfin bref, c'est bon, hein, mais. Et c'est bon. Les gens qui me comprennent me comprennent. Ok. Voilà. En tout cas, c'est très très bon. Ce que j'ai goûté. Enfin, non, pas tout ce que j'ai goûté. Parce que sauf les deux. Ça, j'aime pas. Mais ça, t'as aimé, mais c'est seulement que. Oui, ça, j'ai aimé, mais. Enfin, je sais pas. Genre, tu vas pas l'acheter ça en boutique. Voilà, je vais pas l'acheter. Voilà, voilà. En plus, le pire, c'est que. Le. Comment dire. Le. Non, le letter. Non, pas ça, je veux dire. Le papier d'emballage.
ça nous rend du rêve. Je me dis, ah ouais, ça se voit, c'est bon et tout. Parce que, genre, je sais pas si vous captez, genre, ouais, comme les Haribo et tout, genre, ça se voit, c'est bon. Mais ça, moi, je pensais trop que ça allait être bon, quoi. Mais au final, je vois à l'intérieur, c'est comme ça, emballé dans des papiers. Enfin, bref. C'est peu recommandable. Mais on a 4. Donc, on a essayé 6 friandises. Et elle a aimé 4. Donc, ce qui est toujours bien. C'est tout. Donc, merci d'avoir vu cette vidéo. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, encore une fois, abonnez-vous. Et aussi, si vous voulez encore voir ma petite cousine, assurez-vous de laisser les commentaires juste là en bas parce qu'on risque de faire une partie 2 pour que elle puisse essayer d'autres trucs en fait. Parce qu'il y avait d'autres trucs en boutique qu'elle avait dit, qu'elle m'a dit qu'il n'y a pas en France et j'aimerais vraiment qu'elle essaye. Donc, si vous vous lâchez dans les commentaires, elle va faire une partie 2 avec moi. Quoi d'autre? Merci d'être venu sur ma chaîne, bébé. De rien. Je pars bientôt. Et pas bientôt, vraiment. J'ai plus donc, il faut vite vous lâcher sur les commentaires pour qu'on puisse faire la partie 2 parce qu'elle est pas bientôt. Sinon, je peux pas. Et vraiment, ouais. Et aussi, suivez-la sur ses réseaux, sur son Instagram et sur son Snapchat. Je vais mettre sur l'écran. Mais vas-y, tu peux shout out si j'oublie. Je vous dis mon Snap DKM67. Vous m'ajoutez en masse. Voilà. En plus, si vous voyez pas sur sa chaîne YouTube qu'elle a sorti la vidéo, vous verrez sur mon Snap. Ouais, parce qu'elle va poster, ouais. Comme ça, j'ai bien filmé, vous allez bien voir. Et vous inquiétez pas, il y a d'autres vidéos qui arrivent. Hein. Ouais. Et bref, l'Instagram, enfin mon Instagram, c'est là, tiré du bas, camerounaise237. Il n'y a pas de majuscule, il n'y a pas d'espace. Voilà, c'est facile à trouver. Ajoutez-moi et likez la vidéo. Merci et aussi si vous êtes venu ici grâce à elle, genre, si vous êtes une de ses potes ou bien un de ses potes qui est venu voir la vidéo et qui s'est abonné grâce à elle, faites-le moi savoir juste là en bas pour que je vous remercie et pour que nous puissions poser dans les commentaires, ok? D'accord, merci beaucoup une fois de plus, je vous aime tellement et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.